comme ce supporter qui déploie toute l'étendue de son immense talent de danseur. Des milliers de Camerounais sont ivres de joie après la victoire de leur équipe nationale sur la Tunisie, 4 à 1. Aux abords du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, une marée humaine se déverse dans les rues. En tête du cortège, Ngando, la célèbre mascotte des Lions Indomptables, assure le show. Cela fait 4 ans que l'équipe nationale du Cameroun n'avait pas autant fait vibrer ses fans. Les Lions sont descendus au stade et il fallait que tous ensemble on déchire les Tunisiens. Les Lions ont bouffé de l'aigle, c'est ça. Je suis très fier ce soir et je crois que nous irons très loin à la Coupe du Monde de Brésil 2014. À Yaoundé, l'ambiance est carnavalesque. Elle tranche net avec l'atmosphère terne à Tunis. Le café de l'espoir se transforme en café du désespoir. Au coup de sifflet final, les supporters des Aigles de Carthage sont partagés entre colère et déception. Nous ne sommes plus déçus de notre équipe nationale. On n'a rien vu, rien du tout. On n'a pas une équipe, on n'a rien. C'est pas question d'entraîneur, il n'y a pas une équipe. C'est clair, il faut tout changer, il faut remettre tout à zéro. Malgré l'élimination de leur équipe nationale, les Tunisiens demeurent fair-play. Ils souhaitent bonne chance aux Lions Indomptables du Cameroun pour la Coupe du Monde au Brésil l'année prochaine.